Yo, c'est Bini. Aujourd'hui, on va faire un leg day de 1 et de 2, on va manger parce que j'ai faim. On va commencer par se faire la bouffe du matin. J'ai changé mes macros, donc je prends maintenant moins de protéines et plus de glucides parce que pendant la sèche là ça commence à être un petit peu compliqué d'avoir aussi peu de glucides et je me suis rendu compte que je prenais peut-être un peu trop de prot. Donc voilà, ça ne change pas le pancake du matin qui est toujours présent. J'ai juste de nouveaux ingrédients car ça faisait longtemps que je vous avais pas vu hein, donc ouais, j'ai eu le temps d'aller faire les courses, je suis devenu un homme responsable, tout ça. Alors, le premier ingrédient. Maintenant j'ai de la farine d'avoine toute pétée. C'est exactement la même que celle que j'utilisais avant. Mais c'est pas par la boutique. J'ai juste de la farine d'avoine classique. J'en mets, ouais, je regarde les macros en même temps, elles sont là. Je vais te les foutre juste là environ sur l'écran histoire que t'aies tout ça en visuel. Du coup la farine d'avoine, j'en mets 100 grammes. Ensuite, ceux-ci sont des blancs d'œufs en bouteille. Ça m'évite de gâcher les œufs à chaque fois. Et je suis heureux du coup. Voilà. Donc les blancs d'œufs, c'est 100 grammes également. Et au lieu de mettre du lait de soja, je mets du lait d'amande 0. Je mets du lait d'amande 0. Ça s'appelle bebida de almendras 0. Sin azúcares añadidos. Du coup, c'est 120 ml. Pour avoir une texture fondante et suave. Pour avoir un pancake moelleux et dense. Pour avoir du petit sous la veine. Et alors le petit secret que moi je fais et que toi tu n'es absolument pas obligé de faire car tu fais ce que tu veux de ta vie, c'est que je fous de la cannelle à l'intérieur. La cannelle j'aime bien, donc j'en mets pas la masse mais une bonne cuillère à café. Parlons de café, c'est ça que j'ai oublié de me faire. Du coup ça donne une pâte plus ou moins liquide en fonction de la quantité de lait que tu as ajouté. J'ai trouvé quelque chose pour le pancake du matin également dont je suis très fier. C'est du spray d'huile d'olive. Tout simplement car tu peux faire comme ça et ça te fait 0 calories. 0. Les calories ne comptent pas si tu ne les vois pas. Sur le pancake. Qui c'est qui a inventé des poignées de porc? Putain. Voilà, donc on attend que ça cuise. Ah ouais, alors, moi, pour le pancake. C'est ce que je fais maintenant depuis un certain temps. Mais sur la cuisson de la première face, en fait, je mets un couvercle de manière à ce qu'il gonfle un peu. Voilà, t'es pas obligé de le faire, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est ce que je fais. Ça me plaît et c'est vachement bon. Donc, teste, t'as rien à perdre. Si, t'as un peu de temps à perdre à la limite si t'aimes pas les pancakes. Mais si t'aimes pas les pancakes, je comprends pas pourquoi t'es encore sur cette chaîne. Puisque cette chaîne parle essentiellement de pancakes, d'entraînement jambes. Voilà. Donc à la fin je rajoute du beurre de cacahuète de MyProt. Alors pour mettre 20 grammes, moi je le pars en négatif. C'est à dire que je fous le beurre de cacahuète dessus, je mets la balance à 0. Et en fait je prends une cuillère jusqu'à ce qu'ici ait moins 20. Et oui, donc après je rajoute un peu de cette fabuleuse sauce pancake. On a ça, on va juste rajouter un kiwi dessus, donc que je coupe comme ça. Et qu'on ajoute délicatement sur le pancake. Car oui, à la fin, ça reste du bini. Faut juste que ce soit bon. Du coup, ça ressemble à ça au final, hein. Pancake à la cannelle avec beurre de cacahuète, kiwi, sauce pancake. Donc vous avez vu, c'est tout con à faire, hein. C'est pas dur. Et je vais prendre un café avec un peu d'oméga 3. Tu vois. Voilà, donc on vient de finir de graille, on va se préparer pour aller à la salle. Donc on va aller se faire les shakers pour l'entraînement. Par contre il m'en faut deux. On va aller dans la réserve secrète des shakers. Ça c'est la cache à shakers, hein, comme tu l'as remarqué. Ça c'est l'ours que j'ai utilisé pour faire le micro-meuf de ma caméra. Ça c'est une bouteille de rhum car il faut toujours avoir du rhum sur soi en toutes circonstances, voilà. Alors pour le shaker du coup pendant l'entraînement j'ai changé de BCA comme tu l'as vu dans la vidéo d'avant. Maintenant je prends ceux de Xtend. Je voulais voir ce que ça donne. Du coup c'est 2 scoops donc ça fait 26 grammes environ je crois. 13,1, ouais, donc ça fait 26 grammes pour les 2 scoops. Donc on va foutre 26 grammes de BCA. Ces goûts mangue, ils sont brutal. Enfin, on dit ils sont brutaux.
Je sais pas du tout. Mais en gros, le goût est oufissime. Donc ça, ce sera pendant l'entraînement. Et du coup, pour après l'entraînement, comme je vous ai dit, j'ai diminué les protéines sur la journée en général. Donc maintenant, je prends plus que 30 grammes de protéines. Donc c'est de l'Impact Whey Isola. Auquel j'ajoute 3 grammes de créatine monohydrate. Et on se retrouve après pour une séance jambes dans la joie et la bonne humeur. Étape numéro 1 sur un bon leg day. Tu prends ta Monster et tu la mets dans tes BCA. Et ça te donne une mixture de dieu. Voilà, leg day, on est parti. T'as les dix qui arrivent dans 3, 2, 1. Voilà, donc on est enfin calé, mes jambes sont complètement fumées, j'ai aucune énergie, je pense que je vais manger un truc et faire une petite sieste. Donc pour le midi en ce moment, je suis sur un plat assez simple, c'est je me prends des pâtes comme ça, en gros c'est des pâtes goût chili poulet, et les macros elles sont là, donc il y a un peu de sucre certes, mais c'est pas trop grave vu que c'est juste après l'entraînement, et il y a surtout 24 grammes de protéines. Je vais rajouter à ça des épinards. Et je vais rajouter un peu de brocoli dans mon assiette, histoire d'avoir des légumes quand même cuits. Donc le plat il ressemble à ça quand il est terminé, hein. Il y a des pâtes, comme je t'ai dit, il y a 80 grammes du coup de pâtes au chili poulet. Il y a 50 grammes d'épinards, donc que je n'ai pas cuit pour le volume. Et il y a 100 grammes de brocoli du coup que j'ai étalé au milieu. Donc tu vois l'assiette elle est conséquente, hein. elle est stock et il n'y a pas énormément de calories. Il y a juste, comme tu vois, il y a 340, 350, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, ça permet de bien récupérer avec les glucides après le leg day. On va étaler un petit peu sur toute la journée, hein, les repas de toute façon pour pas crever la dalle le soir. Donc ça c'est le repas du midi, moi je le défonce et on se retrouve du coup après pour écrire le programme pour tout le mois de mai, pour changer un petit peu nos exercices. Voilà, bon appétit à moi. Bon, on vient de finir de manger, j'avais le choix entre prendre un café et faire une sieste. J'ai pris bien évidemment la sieste. Maintenant... j'ai juste besoin d'un thé vert. Merci. Du coup, on va écrire le programme tout de suite. Alors, pour écrire le programme, il me faut juste un tableau. Merde. Putain, Vinny, t'es con. Oh, j'en ai ras le bol. Qu'est-ce que je fais? Je le demande, le tableau? Je peux avoir un tableau, s'il vous plaît? Frère, je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Cool. Je peux avoir des feuilles pour écrire, je sais pas, on sait jamais. Nice. Je peux avoir une copine. Alors juste avant qu'on s'attaque à ça, sur le mois de mai je vais rester sur une séance du coup push pull legs. Tout simplement parce que sur toutes les formes de training que j'ai fait, c'est celle qui m'a le plus plu. Je vais juste modifier 2-3 trucs à l'intérieur parce que j'ai appris du mois d'avril, donc je vais en profiter pour changer le mois de mai. Voilà. Donc du coup ça se passe de cette manière là. Alors en gros ça va être sur 6 jours avec 2 entraînements différents. Donc sur le premier push, je vais me concentrer sur les pecs et les triceps.
Sur le premier pull, je vais faire dos épaule. Et sur le premier leg, je vous ai dessiné un pingouin parce que de toute façon, les jambes, c'est toujours la merde. Quoi que tu fasses comme entraînement jambes, ce sera toujours la merde. Là, ça va faire 3 jours. Soit je prends un jour de repos après les jambes, soit je vais faire une séance cardio-abdo, soit je vais m'entraîner à la plage, ça dépendra. Pour la deuxième séance, donc après les 3 premiers jours, donc ce sera push, pull legs encore. Sur le premier push, je vais me concentrer sur pec et épaules cette fois. Sur le deuxième pull, du coup, je vais me concentrer sur le dos et les biceps. Et sur le deuxième jambe, je vous ai dessiné un donut parce que c'est pareil, c'est la merde. C'est toujours, toujours la merde. Donc ça, je vais me le foutre quelque part, disons ici, sur tout le bordel. Voilà, donc il est 18h, on va se faire une collation parce que j'ai très faim, donc on va aller bouffer. Donc la collation 18h, enfin 17-18h, normalement c'est celle que je prends après l'entraînement. Donc elle est très stock, elle est presque aussi balèze qu'un repas normal. Alors la base, en gros, ça va être les flocons d'avoine, mais un peu de protéines. Il y a 10 grammes, il y a 25 grammes de cacahuètes. Ça, on le met avec un peu d'eau, donc ce que vous désirez d'eau, ça dépend de la texture que vous aimez. Et on fout ça au micro-ondes pendant 1 minute. En attendant, on va se faire 2 kiwis. Et du coup, c'est 15 grammes de beurre de cacahuète. Voilà. 15 grammes, c'est en gros une cuillère à café. Hein. En gros. Voilà, si t'as pas de balance, quoi. Voilà. Et du coup, ça donne un espèce de truc avec une gueule, je te préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir, c'est pas beau du tout, mais c'est vachement bon. Ça ressemble à un espèce de vomi de Shrek, voilà. C'est pas très appétissant, mais crois-moi, c'est très très bon, et ça tient bien, au ventre. Donc, moi je me calme là, je vais aller manger ça. Je vais éditer un petit peu la vidéo, parce que voilà, il y a un moment où il faut le faire, hein, il faut se mettre au boulot. Et du coup, on se revoit pour le dîner. 3 hours later. Oh putain. Ouais. C'est le dernier repas de la journée. Ça va finir les macros. Donc, les macros, elles vont être là sur le dernier repas. Je vais du coup avoir des pâtes de riz. Donc, c'est exactement les mêmes macros que si c'était du riz, sauf que c'est des pâtes. Et du coup, on est sur une journée de pâtes, puisque je l'ai décidé de faire des pâtes de riz. Auquel je vais rajouter des épinards que cette fois ils seront cuits, que je vais cuire avec du blanc de poulet pour donner un peu de goût au blanc de poulet et pour donner un peu de goût aux épinards. Je vais rajouter du citron, des épices, un petit peu d'huile d'olive, tout ça, la magie du bini. Donc voilà, donc c'est le dernier pas de la journée, on n'est pas trop mal sur les macros. On est même plutôt bien, je suis content, c'est une bonne journée. On est au total sur la journée à 228 grammes de glucides du coup. 43 de lipides il me semble et 137 de prot, et on devait arriver à 240 de glucides, 140 de prot et 43 de lipides, donc on est pas mal du tout. Ça fait 1900 calories et des bananes. Je me laisse une petite marge parce que je traque pas tout, donc ça me permet d'aller jusqu'à 2000 sereinement, me mettre moins de pression. Donc c'est la fin de cette vidéo sur le leg day, donc tous les programmes vont changer à partir de maintenant, hein. N'hésite pas à les suivre. Tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu, moi ça me ferait très plaisir et toi ça te ferait plaisir également puisque c'est gratuit et tout ce qui est gratuit fait plaisir. Tu peux également l'aimer, tu peux également ne pas l'aimer, ça me va aussi car si tu ne l'aimes pas, c'est-à-dire que tu as pris le temps de la regarder et moi ça me rend heureux. Voilà, donc sur ce je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.